Alléluia. Praise the Lord. Qu'est-ce que la loi? What is the law? Vous entendez toujours les croyants parler de la loi, la loi, la loi, la loi. You always hear believers saying law, law, talking about the law. Et la Bible parle des gens qui sont sous la loi. And the Bible also mentions people who are under the law. Et la parole dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. And the word also says that Christ is the end of the law for the justification for whoever believes. Notons ceci. Let's note this. La loi est avant tout un ensemble de prescriptions. The law, before all, is a sort of prescription. Une sorte de traité moral. A sort of moral treaty. Une charte, c'est-à-dire une loi fondamentale. That is a fundamental law. Appelée à régir la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. The relation between God and the people of Israel. Plus tard, nous verrons que c'est entre Dieu et tous les hommes. Later on, we will see that it is between God and all men. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la loi, because what we call law today, c'est la forme écrite de la loi de Dieu. Is the written form of the law of God. Sinon, dès le jardin d'Éden, Dieu avait déjà donné la loi. If not, starting from the Eden Park, God had already given law. Parce que chaque alliance est régie par la loi de Dieu. Because any covenant is governed by the law of God. Après sa création, after its creation, Adam a reçu des ordres, des commandements, dont une loi. Adam receives some orders, commandments, that is law. Dieu lui demandait de protéger la terre. God required him to protect the earth. Dieu lui demandait de procréer. God required him to conceive. Sous une forme de bénédiction, il lui dit, soyez fécond. For a sort of blessing, God says, be fruitful. Cela peut se vérifier dans Genèse chapitre 1, verset 28 à 30. We can check this in Genesis 1, reading from verse 28 to 30. Dieu a ordonné de peupler la terre. God ordained for people to fill the earth. Il a ordonné de dominer sur les oiseaux, les poissons, tous les animaux. He ordered man to have dominion over all living creatures. Il a ordonné à l'homme de manger du fruit de tous les arbres sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. He ordered man to eat from the fruit of all trees except that of the knowledge of evil and good. Et Dieu a établi le mariage. God also established marriage. Il a ordonné à l'homme de s'attacher à sa femme. And he also ordered man to be bound to his wife. Ça, c'est une loi. This is a law. La loi de l'alliance entre Dieu et Adam. The law of the covenant between God and Adam. Il y a eu une autre loi. There had been another law. La loi de l'alliance entre Dieu et Noé. The law of the covenant between God and Noah. Ici, le Seigneur, en plus de ce qu'il avait déjà demandé à l'homme, il ordonne à l'homme de manger de la viande. Here, de consommer de la viande. The Lord asked man to consume meat. Et, beside what he had already given to man. Et il interdit à l'homme de consommer le sang. And he forbade man to consume the blood. Et il ordonne que le meurtrier soit sanctionné. He also ordered the murderer to be punished. Par la peine capitale. By the capital punishment. Et par la peine de mort. That is capital punishment. Dans l'alliance avec Abraham. In the covenant with Abraham. Dieu ordonne la circoncision. God ordered circumcision. À tous les descendants d'Abraham. To all the descendants of Abraham. Ou à tous ceux qu'il a acquis à prix d'argent. Or all those that he got
By money, through by buying them. Cela se vérifie dans Genèse 17, verset 9 à 14. We can check this in Genesis 17, reading from verse 9 to 14. Dans cette alliance, in that covenant, assortie de peine capitale pour ceux qui violent, for en refusant la circoncision, which is followed by a capital punishment for those who refuse circumcision. C'est-à-dire que dans la loi, dans l'alliance de Dieu avec Abraham, in the covenant of God, between God and Abraham, le commandement principal, en plus de ce que nous avons vu en Adam et en Noé, en plus de ces commandements-là, il y a celui de circoncire ses enfants. Beside the law that we have already seen in with Adam and with Noah, there is the one for which in which you have to circumcise your descendants. Et cette loi est aussi assortie de sanctions, de peines capitales pour ceux qui, pour les contrevenants. That law also is followed with a capital punishment for those who did not obey. Et la peine de mort. The capital punishment. Dans la loi mosaïque, in the law of Moses, Dieu établit un lien juridique et permet au peuple de Dieu de manifester sa mise à part réelle. God establishes a law that allows the people of God to be set apart. La loi law du Sinaï of the Sinai permettait à Dieu ou alors permettait au peuple de Dieu allowed the people of God d'entrer dans une relation exclusive avec Dieu. To get into a real relation with God. Elle fait du peuple de Dieu it makes of the people of God ses serviteurs dans le monde entier. His servants in the whole world. Ils avaient une loi. They had a law. Ils avaient un Dieu. They had a God. Ils étaient différents des autres peuples. They were different from other people. Leur manière de faire, de penser, de parler était maintenant régie par la loi. The way of doing or speaking and everything that they did was now governed by the law. Et cette loi leur enseignait la vie de Dieu et le culte de Dieu. And this law taught them the life of God and the service of God. La volonté de Dieu apparaît donc ici clairement pour la première fois. So here the will of God appeared clearly for the first time. Dieu veut qu'on sache qu'il est le seul vrai Dieu dans les cieux et sur la terre. God wants men to know that he is the only true God in heaven and on earth. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. He said, I am the Lord your God who took you out of the land of Egypt. De la maison de servitude. From the house of bondage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. You shall not have any other God before me. Il y a quelque chose qui s'est produit dans ce premier commandement. There was something that was produced in that first commandment. C'est dans ce premier commandement. It is in that first commandment que Dieu avait révélé à Moïse that God revealed to Moses qu'il punissait l'iniquité et qu'il pardonnait et qu'il bénissait jusqu'à 1000 générations. It's in that commandment that God revealed that he punished iniquity and that he blesses up to 1,000 generations. Lis-nous ça dans ta Bible. Read this for us in your Bible. Et pendant que je préparais ce message, le Seigneur me faisait comprendre que quand il nous parle, nous devons bien écouter. While I was preparing this message, the Lord made me understand that when he speaks to us, we must listen carefully. C'est la première chose qu'il avait révélée à Moïse. That was the first thing that he revealed Moses. Mais Moïse l'avait oublié. But Moses forgot it. Son intercession était bloquée. His intercession was blocked. Parce qu'il avait oublié un élément de la loi. Because he forgot a point of the law. Lis. Read it for us. Exode 20, chapitre 20, donc versets 2 à 6. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu
devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Israël devient donc par cette alliance du Sinaï le peuple de Dieu. Becomes the people of God through this covenant of the Sinai. La seule nation régie par la loi plus sainte et plus juste que toutes les lois de l'humanité. The only nation that is governed by the law, the most holy law in humanity. Et Moïse en rend témoignage dans Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 8. And Moses testifies about that in Deuteronomy 4, reading from verse 5 to 8. Il dit ceci. He says this. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Alléluia. Donc, Moïse rend témoignage que tous les peuples de la terre vont réaliser que la loi de Dieu est plus sainte, juste, et qu'elle a l'intelligence, la sagesse suprême. Moses is then testifying that all the people of the earth will realize that the law of God is the most holy one and the most intelligent one. À partir de là, tous les peuples devaient maintenant aller chez les Juifs, chez les enfants d'Israël, apprendre les voies de Dieu. From there on, all the people on earth were to go to where the children of Israel to learn the law of God. Il y a dans la loi la révélation de la sainteté de Dieu et de la morale de Dieu, de la vie de Dieu. In a law, there is the revelation of the holiness and the life of God. Il y a aussi l'initiation à la communion intime avec Dieu. There was also initiation to intimate fellowship with God. Mais la loi a une portée prophétique. But the law has a prophetic future. Parce que déjà, à travers Moïse, Dieu annonçait l'arrivée du Messie. Because through Moses, God was announcing the coming, the advent of the Messiah. Et il y a beaucoup de préfigurations dans la loi qui ont une portée prophétique. There are many points in the law that have a prophetic future. Lis-nous Deutéronome 18, verset 15. Read for us Deutéronome 18, verse 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Amen. Acte 3, verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Amen. Acte 7, verset 37. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Amen. C'est pour cette raison que Jésus disait aux Juifs que Moïse a parlé de moi. That's why Jesus was telling the Jews that Moses spoke about me.
Jésus est venu pour accomplir la loi. Jesus came to fulfill the law. Ça, il faut souligner ça. This must be underlined. Matthieu 5, verset 17. Matthew 5, verse 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Jésus est venu pour accomplir la loi. Et comme nous avons vu la semaine passée, il est venu abolir, détruire la puissance du péché. Jesus came to fulfill the law, and as we saw it last week, he came to destroy the power of sin. Il l'a fait en acceptant de mourir à la croix. He did it by accepting to die on the cross. Et en mourant à la croix, by dying on the cross, Jésus a ouvert à nouveau le chemin du ciel. Jesus has opened again the way to heaven. Parce que depuis la désobéissance d'Adam, le chemin du ciel fut fermé. Because since the disobedience of Adam, the way to heaven was closed. Lisons Hébreux 9 verset 8. Read for us Hebrews 9 verse 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Amen. Hébreux 9, verset 26. Hébreux 9, verset 28. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Hébreux 8, verset 13. Hébreux 8, verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Amen. Amen. Tous ces passages montrent que Jésus est venu pour traiter une nouvelle alliance avec les hommes. All these passages show that Jesus has come to have a new covenant with man. Jésus est venu introduire un culte spirituel. Jesus came in order to introduce a spiritual service. Là, vous retenez ça très bien. You must retain this well. Jésus est venu afin que ce qu'on faisait physiquement qu'on le fasse spirituellement et en vérité. Jesus came so that what was done physically be done spiritually and in truth. Il est venu pour révéler la volonté suprême de Dieu. He came to reveal the supreme will of God. Jean chapitre 4 verset 23 et 24. John chapter 4 reading from verse 23 to 24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. John chapter 4, reading from verse 23 to 24. But the hour is coming and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Jésus est venu introduire une nouvelle alliance. Jesus came to introduce a new covenant. Dans cette alliance, in that covenant, Dieu veut la vérité. God wants truth. Dieu veut l'adoration en esprit. God wants worship in spirit. Parce que lui-même, il est esprit. Because he himself is spirit. Lis-nous Jérémie. Read for us Jeremiah. Chapitre 9, verset 25 et 26. Chapter 9, reading from verse 25. To 26. Voici,
Les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne sont pas de cœur, l'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert. Car toutes les nations sont incirconcises et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Amen. Dieu dit ici, God says here, parce que la circoncision était le signe principal de l'alliance entre Dieu et Abraham. Because circumcision was the main sign of the covenant between God and Abraham. C'est par la circoncision qu'on reconnaissait que celui-ci est un enfant d'Israël, est un enfant d'Abraham. It is by circumcision that we could know that such or such person is a son of Israel or Abraham. Tout ce qui était circoncis physiquement était des enfants d'Abraham. All those who were circumcised physically were the children of Abraham. Quand Dieu devait introduire la nouvelle alliance, when God was to introduce the new covenant, il a commencé à enseigner que la circoncision physique là n'est pas suffisante pour être sauvé. He started teaching that physical circumcision is not enough to be saved. Il dit toutes les nations païennes et même Israël ont des cœurs incirconcis, ils seront punis. He said that all the pagan nations and even Israel, they are uncircumcised in heart and they will be punished. Il disait qu'il va punir tous ceux qui sont circoncis mais pas de cœur. He said that he will punish all those who are circumcised but not in heart. Est-ce que vous me suivez très bien? Are you following me well? Est-ce que vous me suivez très bien? Are you following well? Dieu est en train de se révéler aux hommes. God is revealing himself to man. Il a commencé au jardin d'Éden. He started in the Eden Park. Il a évolué. He evolved. Il a touché Noé. He touched Noah. Il a évolué. He evolved. Il a touché Abraham. He touched Abraham. Il a évolué. He went forward. Il a touché le peuple d'Israël. He touched the people of Israel. Après, il évolue. And after he continued il dit, je veux toucher toute la terre. Tous sont méchants. And he said, I'm going to touch the whole earth for all are wicked. Tous sont incirconcis. All are uncircumcised. Mais je veux que tous soient circoncis de cœur. But I want all to be circumcised in heart. Et il dit, je veux juger. And he said, I will judge. Quand Jésus est venu, when Jesus came, il a introduit le message de la repentance. He introduced the message of repentance. Ce n'était pas la première fois. It wasn't the first time. Il a introduit ça comme la principale prophétie. He introduced this as the main prophecy. Et il avait déjà envoyé quelqu'un marcher avant lui pour rappeler cette exigence-là. And he's brought someone before him to recall these requirements. C'était Jean-Baptiste. It was John the Baptist. Jésus disait, Jesus said, repentez-vous, repent, car le royaume des cieux est proche. For the kingdom of God is at hand. Et c'est Jésus qui enseigne. And it is Jesus that teaches que tous les péchés des hommes viennent du cœur de l'homme. That all the sins of man stem from the heart of man. Quand Jésus arrive, when Jesus comes, c'est une bataille contre le cœur de l'homme. It's a fight against the heart of man. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. He said, those who are pure in heart are blessed for they will see God. Il dit donnez en offrande ce qui sort du cœur. He said, give what is from the heart in offering. Lis-nous Marc chapitre 7, verset 20 à 23. Read for us Mark chapter 7, reading from verse 20 to 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises
sorte du dedans et suit l'homme. Amen. Il faut se repentir. Man must repent. En attaquant le mal qui habite dans le cœur de l'homme. By when you hear the evil that indwells the heart of man. Chacun doit s'examiner. Each one should examine himself. Avec Jésus. With Jesus. Ce n'est pas en déchirant les habits ou bien en pratiquant la circoncision dans la chair qu'on est sauvé. You are not saved because you are tearing your clothes or practicing circumcision in the flesh. Ce n'est pas en lavant les mains et les pieds et les coudes. It's not when you are washing your hands and your elbow. Comme c'était pratiqué dans la loi. As it was practiced in the law. Jésus n'abolit pas la loi. Jesus does not ban Jésus the law. L'accomplit à la perfection. He does not abolish the law, but it fulfills it up to perfection. Avec Jésus, with la Jesus, volonté de Dieu manifestée à travers la loi est accomplie. With Jesus, the will of God manifested through law is fulfilled. Dieu veut que les hommes changent. God wants men to change. Dieu veut que les hommes soient sauvés. God wants men to be saved. Dieu veut que les hommes abandonnent le péché à partir de leur cœur. God wants men to abandon sin from starting from the heart. Dieu ne veut pas qu'on soigne les apparences. God doesn't want you to take care of your appearance. Dieu demande un rejet total de l'iniquité à partir des pensées. God requires a total rejection of iniquity from your thoughts. Et Jésus disait, and Jesus said, l'heure vient. The time is coming. Et elle est déjà venue. And it's already there. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. That the true worshippers of God will be worshiping God in spirit and in truth. Et écoutez ça très bien. Listen to this carefully. Nous avons vu la semaine passée comment l'esprit vient au secours de l'homme qui lutte avec sa chair pour faire la volonté de Dieu. We saw it last week, how the Spirit came in rescue of man in order to help him do the will of God. Maintenant, nous allons vous montrer pourquoi il fallait absolument que Jésus aille à la croix, qu'il meure à la croix. Now we are going to show you why Jesus was to go to the cross absolutely. Parce que là où nous sommes, because where we are, là où tu es, where you are, tu es un condamné à mort. You are doomed to death. Parce que tu as déjà violé la loi de Dieu. Because you have already violated the law of God. Personne sur la terre ne peut t'en délivrer. No one on earth can deliver you from that. Si tu es un être humain, if you are a human being, tu es déjà condamné. Tu es sous la loi, tu es condamné. Already doomed, you are under the law. Et la loi de Dieu est éternelle. And the law of God is everlasting. Personne ne peut l'annuler. No one can cancel it. Même Dieu ne peut pas l'annuler, il ne peut pas se renier lui-même. And even God cannot cancel it, he cannot deny himself. C'est pour cette raison qu'il est dit que c'est lui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Tu pêches, tu meurs. That's why it is said that the soul that sins is the one that will die. Et tu pêches, you die. Les malédictions qui sont énumérées dans la loi tombent sur toi. When you sin, the curses that are mentioned in the law will fall upon you. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? What will God do? Dieu va délivrer l'homme de la loi. God will deliver man from the law. Et le Saint-Esprit révèle que and the Holy Spirit reveals that il y a une sorte de mariage entre l'homme et la loi. Personne ne peut te délivrer de la loi. There is a sort of marriage between law and man. No one can deliver you from the law. Même comme tu ne peux pas l'appliquer, even though you cannot apply it, tu veux vivre dans la sainteté, tu ne réussis pas. You want to live in holiness, you cannot succeed. Mais la loi sera toujours là, en train de te demander d'être saint, d'être saint.
But the law will always be there requiring you to be holy. Et tu souffres. And you suffer. Tu es maudit. You are cursed. Tu veux obéir, tu ne peux pas. You want to obey, you cannot. Et dans la loi, and in the law, personne ne doit t'aider. No one can help you. Il est écrit. It is written. Que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est toi-même, tu cherches ta vie en mettant la loi en pratique. That he who puts these things into practice will live by it. You are the one who should strive to put the law into practice. C'est-à-dire pour vivre, to live, il faut mettre toute la loi en pratique. You must put into practice all the law. Si tu pèches contre un seul commandement, if you sin against only one commandment, tu es coupable de tous. You are guilty of all. Et Dieu décide donc, then God decides then, d'utiliser la mort. To use death. Il est dit que si un homme, si une femme est mariée, it is said that if a woman is married, la loi lie la femme à son mari. The law binds the woman, the wife, to her husband. Elle ne peut pas chercher un autre mari. She cannot seek another husband. Si elle cherche un autre mari, if she seeks another husband, elle sera appelée adultère. She will be called adulterer. Donc elle doit attendre. So she must wait. Que l'autre mari meure. That the other husband dies. Que le premier mari meure. That the first husband dies. Pour qu'elle soit libre. For her to be free. Si elle-même meurt, if she herself dies, elle est libre. She's also free. Mais elle ne revient pas à la vie. But she will not come to life anymore. Donc elle est morte pour rien. So she's dead for nothing. Mais Jésus, but Jesus, lui, il peut te donner la mort. He can give you death. Tu meurs. You die. Et il te ressuscite. And he raises you up. Acclamons pour Jésus. Let's clap for Jesus. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Donc, so, nous, aucun homme ne pouvait mourir et revenir. No one could die and rise up. Donc, Dieu a dit, so God said, son fils va aller à la croix. His son will go on the cross. Avec tous les hommes. With all men. Comme on a vu la semaine passée. As we saw it last week. Et il va mourir. And he will die. Et tous les hommes avec lui. And all men with him. Il va les amener dans la tombe. He will bring them in the tomb. Et il va ressusciter avec eux. And he will rise up with them. Et après cette résurrection, and after that resurrection, les hommes ne sont plus sous la loi. Men are no more under the law. Hallelujah. Praise the Lord. La malédiction qui pesait sur eux est détruite. The curse that laid was upon them is destroyed. Ils sont maintenant sous une nouvelle loi. They are now under a new law. Plus excellente même que la première. Which is more perfect than the former one. Avec la promesse. With the promise. De secourir. To save. Je suis avec toi. I am with you. Tous les jours. Always. Le premier mariage, the first marriage, le mari te dit prépare, il ne t'aide même pas, il tape, il fait prépare. The husband tells you cook, and he cannot help you. He only tell you cook. Mais ici, but here, il est avec toi. He's with you. Il marche avec toi. He walks with you. Il te guide. He guides you. Il te soutient. He sustains tu you. Tu es le même homme. You are the same man. Devant les mêmes exigences. Before the same requirements. Et même les exigences rendues parfaites encore. And with requirements that have become more perfect. Plus élevées. More perfect. Mais Jésus est là. But Jesus is there. Pour te vivifier. To give you life. C'est le nouveau mari. It is the new husband. Et vous savez, l'Église, Dieu décide. And you know that
God decides que tous les frères, that all the brethren, tous les enfants de Dieu, all the sons of God, vont former un corps, will form only one body, et il appelle, il décide, and decides que ce corps, that that body, est une épouse, is a spouse, pour épouser son fils, in order to be bound to his son. Ça, ce sont des, c'est un mystère. This is a mystery. Si tu as compris, if you have understood, tu as compris le cœur de l'évangile. You have understood the heart of the gospel. Et tu peux maintenant prier. You can now pray. Quand tu rencontres quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, when you meet someone who does not believe in Jesus, tu verras, il ne sait pas qu'il est perdant. He does non, not, il est perdu. He does not know that he is lost. Et il est condamné à la perdition. And that is doomed to perdition. Lis-nous dans Romains chapitre 7. Read for us in Romans chapter 7. Romains chapitre 7, versets 1 à 6. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Nous sommes délivrés. Alléluia. We are delivered. Alléluia. Nous travaillons maintenant sous un autre régime, le régime nouveau de l'esprit. We are now working under a new regime of the spirit. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si bien que, so that, quand tu n'as pas Jésus, when you don't have Jesus, on dit tu es sous la loi. It is said that you are under the law. Écoutez ça très bien. Listen to this carefully. Dans certaines dénominations, in some denominations, et dans certaines écoles bibliques, and in some Bible schools, les gens n'enseignent pas bien cette parole. People do not teach this word well. Pour certains, for some, si tu laisses le péché radicalement, if you abandon sin radically, on dit que tu es sous la loi. They say that you are under the law. Ce n'est pas comme ça. It's not that way. C'est que quand tu rejettes Jésus, is that if you reject Jesus, tu es sous la loi. You are under the law. Est-ce que vous me suivez très bien? Are you following me well? Et quand tu reçois Jésus, when you receive Jesus, tu es sanctifié, tu es justifié. You are sanctified. Tu es mis à part. You are sanctified. Tu es déclaré juste. You are sanctified, justified. You are declared a just man. Tu n'as même pas encore agi. You have not taken any action yet. Mais Dieu te déclare juste. But God declares you just. C'est comme Jacob dans le sein de sa mère. It is like Jacob in the. Il n'avait pas encore fait le bien. Il n'avait même pas encore fait le mal. Mais il était déjà déclaré bon. Que Dieu dit, je l'ai aimé. It's like Jacob in the womb of his mother. He has not done even evil or good, but he was already declared. Just God said, I loved him. J'ai aimé Jacob. Jacob, have I loved? Ça, c'est comme ça que la grâce agit par Christ.
That's how grace works through Christ. Tu es déclaré juste avant même d'avoir posé des actes. You are declared righteous before taking actions. Abraham a été déclaré juste. Abraham was declared just. Il n'y a pas eu une évaluation qui lui a donné une note de qualification. He had not been assessed in order to have a mark for qualification. Il a posé un acte de foi et Dieu l'a déclaré juste. He took an action of faith and God declared him righteous. Si tu crois en Jésus, if you believe in Jesus, dès que tu crois en Jésus, if you believe in Dieu Jesus, te déclare juste. God declares you righteous. Et la question qui se pose, the question that is raised, même avant de poser cette question-là, lisons d'abord quelque chose dans Colossiens, before chapitre we pose, 2, verset 2 à 19. Before we pose this question, we are going to read something. Et écoutez l'évangile, s'il vous plaît. Colossians 2, reading from verse 2. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes maintenant. Listen to this carefully because there are many false prophets now. Certains viennent même quand je prêche comme ça, ils viennent s'asseoir pour écouter. When I'm preaching like this, some even come to listen. Après, ils vont vous envoyer des petits SMS pour essayer d'attaquer. And after they will send you some SMS in order to attack the teacher. Ne les écoutez pas, ils sont perdus. Don't listen to them, they are lost. Voici l'évangile. Here is the gospel. Qui on prêche en public et dans la lumière. And we preach it in public and in light. Les petits messages des ténèbres anonymes là, écrasez-les. The little messages, anonymous messages of the darkness. Je sais que ce que je suis en train de dire là, l'enfer est en train de gémir. I know that what I'm saying, hell is shaking. Et si tu es dans la salle, au lieu de combattre, mets-toi à genoux, tu reçois le Christ. And if you are in the hall, instead of coming against it, just kneel down and come to Christ. Tu seras délivré de l'amertume et de la jalousie. You will be delivered from bitterness and jealousy. Tu seras un enfant de lumière. You will be a son of light. Je prêchais à Cocody ici. I was preaching in Cocody. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y a quelqu'un qui est en colère dans la salle. The Holy Spirit revealed to me that someone is angry in the room. J'ai demandé au frère qui est fâché, fâché. I asked the brethren who is upset. Que l'Esprit me dit que quelqu'un est en colère. That the Spirit is telling me that someone is angry. Il n'y a pas eu de doigt. There personne was, a levé la main. No one raised his hand. Nous avons pris la pause. We had a pause. À la pause, une jeune fille s'est approchée. At the break, a young lady came to me. Il dit que c'est de moi que Dieu parle. She said that I was the one God was talking about. Parce que quand tu prêchais, because when you were preaching, je disais que si je pouvais lancer la flèche ici. I was telling myself that if I could launch an arrow like this here. Jésus est puissant. Jesus is mighty. Read. Colossiens 2, à partir verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures
et des liens tirent l'accroissement que Dieu donne. Alléluia. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 8. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Alléluia. Et remarquez quelque chose. Le Saint-Esprit dit The Holy Spirit says, que Jésus nous a pris avec lui, nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous a ramenés à la vie avec lui. Nous avons déjà lu ça. We died with him, we are buried with him, and he brought us to life with him. Et c'est une doctrine. C'est une doctrine. Il faut croire à ça. It's a doctrine. You must believe it. Il faut croire. Si tu es chrétien, si tu es un enfant de Dieu, tu dois croire que tu es mort à la croix avec Jésus. If you are a Christian, you must believe that you died on the cross with Jesus. Tu dois croire que tu as été enseveli avec lui. You must believe that you have been buried with him. Tu dois croire que tu es ressuscité avec lui. You must believe that you rose up with him. L'évangile ne se limite pas à repens-toi, repens-toi. The gospel is not just repent, repent. Nous prêchons un évangile complet, complet, total. We preach an entire gospel. Comme les apôtres. As the apostles. Il dit, he says, parce que vous êtes ressuscité avec Christ, because you rose with Christ, vous n'avez plus besoin de sabbat, de fêtes. You no more need sabbath and feasts and rites, des cérémonies, of ceremonies. Mais à côté, but besides, il dit renoncer à l'impudicité, à la colère, au mensonge. He says renounce fornication, anger, lies. Les faux docteurs pensent que quand tu laisses le mensonge radicalement, tu laisses l'adultère, ils appellent ça tu es sous la loi. C'est faux. Ne les croyez pas. False, personne ne te séduise. False teachers say that think that when you forsake lie and fornication, you are under the law. Do not believe this. This is false. Quand tu vis dans le péché, when you live in sin, tu es sous la loi. You are under the law. Parce que la loi va te juger. Because the law is going to judge you. Si tu es en Christ, if you are in Christ, il faut manifester la vie de Christ. You must manifest, show the life of Christ. En abandonnant l'impudicité, le mensonge, le vol, la corruption. By forsaking immorality, theft, corruption. Vous savez, you know, l'apôtre Paul a eu beaucoup mal au cœur. Je le dis comme ça à la manière des hommes. Apostle Paul was really pained in his heart. Parce que les gens, pendant qu'il était encore vivant, avaient commencé à tordre son enseignement. Because while he was still alive, people started changing his teaching. Romains chapitre 3, verset 8. Romans chapter 3, verse 8. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Les gens ont commencé à enseigner que vraiment Jésus est mort à la croix, la loi est finie. Quand tu mens, même la grâce de Dieu se manifeste et le bien arrive. Parce que c'est Paul qui enseigne comme ça. Hein? People started saying that Paul was teaching that Jesus is dead, the law is finished, and even when you live in lie, it is the grace of God. Il dit non. He says no. La condamnation est contre eux. Condemnation is against them. Ils seront jugés. They will be judged. Si tu utilises les paroles de Paul qui a dit la loi est finie parce que Christ est mort à la croix, si tu utilises ça pour commettre l'adultère, tu seras dans le lac de feu. If you use these words of Paul in order to commit adultery, you will be in the lake of fire. Si tu utilises ça pour mentir,
tu iras dans le lac de feu. If you use these words to lie, you will go into the lake of fire. Il disait Christ est la fin de la loi pour la justification de ce quiconque croit. C'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as pas encore travaillé, Dieu t'a déjà pardonné. He says that as soon as you give your life to Jesus, you have not done anything, but God has already forgiven you. Tu es appelé maintenant à produire, à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour ceux qui s'appellent de son nom. You are now called to practice the good works that God has planned, prepared for those who are called by his name. Si bien que si tu dis que tu as Jésus, so that if you say that you have Jesus, et tu pratiques le péché, and you practice sin, l'apôtre Jean dit, Apostle John says, que tu es du diable. That you are of the devil. Tous les apôtres sont clairs là-dessus. All the apostles are very clear on this point. Il dit celui qui pratique le péché est he du diable. Who practices sin is of the devil. Être sous la loi, being under the law, c'est essayer de chercher le salut sans Jésus. Is trying to seek salvation without Jesus. C'est essayer d'observer le sabbat, les fêtes, la circoncision avec un cœur pourri. Is trying to seek Sabbath, circumcision with a rotten heart. C'est essayer d'aller à l'église sans Jésus. Is trying to go to the church, to church without Jesus. L'apôtre dit sans s'attacher à Christ. The apostle said without binding himself to Christ. Sans s'attacher à Christ. Without binding himself to Christ. Au verset 19 de Colossiens chapitre 2, il dit sans s'attacher au chef, donc tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Et dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on ne t'assistait pas. Tu n'étais pas assisté. In the old covenant, you were not assisted. Et puis ce n'était pas encore. And it was not a body. C'était les saints, chacun se débrouillait. Each one was trying by himself. Mais dans la Nouvelle Alliance, but in the new covenant, c'est un corps. It's a body. Où chacun tire la substance pour grandir. In which each one can get what he needs. Et l'assistance vient du ciel. And the assistance comes from above. S'il y a même les distorsions caractérielles, Dieu te monde, il te corrige, il taille. And if there is a problem in your character, God is going to prune you. Jésus enseigne même que si tu ne portes pas de fruits, lui-même va dire à son père, attends, je veux encore mettre de l'engrais, je veux arroser. Jesus teaches that if you don't bear fruit, he will even tell his father, he himself will tell his father, ça veut dire wait que a bit. Sans l'action, sans l'œuvre de Jésus, personne ne peut être sauvé. It means that without the action, the work of Jesus, no one can be saved. Les quelques personnes qui furent sauvées dans l'ancienne alliance avaient la foi en Jésus, mais ils ne l'avaient pas encore vu. Ils avaient une image des réalités à venir. The few people who were saved in the old covenant, they believed in Jesus, but they had not seen, but they had a vision of the glory to come. La Bible dit que Moïse a eu le courage parce qu'il voyait celui qui est invisible. The Bible says that Moses has courage because he saw that which was invisible. Il voyait le Christ. He saw the Christ. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne vois pas le Christ. You cannot be saved if you don't see the Christ. Et la Bible dit, étant donc environné d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout péché et tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 16. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut,
comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a si écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Amen. L'apôtre Pierre dit, Apôtre Pierre 16, le Seigneur a révélé les choses à notre frère bien-aimé Paul. The Lord has revealed things to our beloved brother Paul. Et il parle de ces choses dans toutes ses lettres. And he speaks about these things in all his letters. Il dit ce sont des choses qui ont des points difficiles à comprendre. He said that these are things which has difficult points to understand. Et il dit, and he says, les personnes mal affermies, people who are not well, et ignorantes, and ignorant, tordent le sens des paroles de Paul, twist the sense, the meaning of the teaching of Paul, pour leur propre ruine, for their own destruction. Si quelqu'un s'en va s'installer dans le péché, if someone go to dwell in sin, parce que Paul a dit Christ est la fin de la loi, because Christ said that, but because Paul said that Christ is the end of the law. Il a tordu le sens. He has twisted the meaning. Parce que si Paul pensait à ça, il n'allait pas dire ne mentez plus, ne commettez plus l'impudicité. Because if Paul was thinking of that, he wouldn't have said do not commit adultery and Paul ne savait même pas que quelqu'un peut utiliser ça pour aller voler. Paul did not know that someone could use this to go to steal. Ils tordent le sens. They twist the meaning. Une ruine soudaine les attend. A sudden destruction will fall upon them. Et Paul même dit quelques-uns nous calomnient. And Paul said that some of them, ils mentent. Lies que ce n'est pas ce que j'ai enseigné. It's not what I taught. Et ce que Paul a enseigné, what Paul taught, c'est tellement vrai. Is so true. Parce que la Bible dit que la loi a été donnée pour préparer les gens à recevoir le Christ. Même Moïse leur dit, un prophète arrive. Because the Bible says that the law was prepared, was given in order to prepare people to receive Christ. And even Moses said it, that a prophet is coming. Lis-nous Galates chapitre 3, verset 19 à 29. Read for us Galatians 3, reading from verse 19 to 29. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Voilà le but de la loi. C'était comme un enseignant qui te dit, mon ami, voici comment tu dois te comporter. Voici comment tu dois te comporter. Et puis la loi te révèle même que ton sauveur, la personne qui va t'aider, arrive. So here is the purpose of the law.
The law has been given in order, is just like a teacher who tells you, my friend, here, this is the way you must behave. Frère, brethren, chaque disciple, each disciple doit croire que Jésus est en lui. Must believe that Jesus is in him. C'est la doctrine de Christ toujours. Is the teaching of même Christ. Même si tu as froid, même si tu penses que tu n'es pas un enfant de Dieu, crois que Jésus habite en toi. Even though you don't believe that you are a child of God, believe that Christ is with you. Tu verras que tu es vivifié chaque jour. You will see that you are enlivened every day. Comme Paul dit, comme mourant, mais nous sommes toujours vivants. As Paul could say, as dying, but we are also always alive. Et tu iras de progrès en progrès, d'une manière inexplicable. And you will go from progress to progress in a way that cannot be told. C'est l'entreprise de Dieu. It's the enterprise of God. Quand tu prêches, when you preach, tu rencontres un malheureux. You meet someone who is malheureux. Il te dit, je suis lié par le péché. And he says that I'm bound by sin. Je suis perdu, je commets tous les péchés. I am lost, I commit all the sins. Dis-lui que Jésus va te délivrer. Tell him that Jesus will deliver you. Un jour, one day, je sortais du bureau de mon patron. I was coming out of the office. J'ai croisé un policier, il était inspecteur de police. I met a man who is an inspector of police. Il s'est mis à pleurer. He started crying. Mon problème c'est l'alcool. My problem is alcohol. Mon problème c'est l'alcool. My problem is alcohol. Il pleurait. He was weeping. Le Saint-Esprit m'a dit, the Holy Spirit told me, il ne faut pas qu'il soit humilié devant les hommes. That he should not be humiliated before men. Je lui ai dit non, Jésus va te délivrer. I told him no, Jesus will deliver you. Il faut me trouver au bureau, Jésus va te délivrer. Come to my office, Jesus will deliver you. Il est venu. He came to me. Je lui ai donné Jésus-Christ. I gave him Jesus. Il a reçu Jésus. He received Jesus. Et il fut délivré. And he was delivered. Hallelujah. Praise the Lord. 3 mois après, 3 months later, son épouse nous rend témoignage. His wife testifies il about him. Il revenait toujours ivre. That he always came home drunk. Un peu de discussion soulève l'arme. Il dit, je vais te tuer, je vais t'abattre. For a little discussion or arguing, he takes out his donc, tous les jours, la femme tremblait seulement. So the woman was always shaking, trembling. Un jour, il revient lui dire qu'il a reçu Jésus. One day, he came and tell her that he has received Jesus. Son époux dit qu'elle a attendu pendant 3 mois pour être sûr qu'il a vraiment cru. Said that she waited up to 3 months in order to be sure that he had already believed. Premier jour, il ne touche pas au pistolet. The first day, he didn't touch his pistol. Deuxième jour, il ne touche pas au pistolet. The second day, he didn't touch the gun. Elle n'entend plus que je vais t'abattre. She never heard that I will kill you. 1 mois, 2 mois. 1 month, 2 months. 3 mois. 3 months. Elle a dit, je donne ma vie à Jésus. She said, I give my life to Jesus. Jésus délivre. Jesus delivers. Il ne te donne pas seulement les ordres. Il ne dit pas ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. He does not just only give you orders saying don't do this, don't do that, don't do this. Et c'est pour cette raison que dans la comparaison donnée dans Romains chapitre 7, that's why in the comparison given in Romans chapter 7, il est dit au verset 6, mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Nous servons sous le régime, l'action, la coordination, la dispensation du Saint-Esprit. It is written then that we are now serving under the new regime of the Spirit. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est déterminé à donner sa vie à Jésus avant de rentrer? Is there someone in the room who is determined to give his life to Jesus before going back home? L'Esprit lui dit de ne pas rentrer
sans avoir donné la vie à Jésus. Lève ta main. The Spirit tells you that you should not go back home without giving your life Jesus, to Jesus. Viens rapidement. Come sans hésiter. Without any hesitation. Oui, viens rapidement. Qui yes, d'autre? Come here quickly. Venez, on va les bénir. Venez avec vos effets. Si tu as un sac, tu le prends. Après la prière, tu vas rentrer chez toi. Come. Parce que les frères vont vous bénir avant de rentrer. Chers frères, soyez bénis. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Beloved brethren, be blessed. May the grace of the Lord rest on you.